Regardez, il commence à bouger. Où ça? Oh non. Tu vois qu'il a bougé, maître Tigrou? Bah oui, c'est ce que je n'y pensais pas. Alors? Ah, oh, votre majesté, où est-ce que vous étiez? J'étais partie aller voir... Ophir et Topia, c'est tout. C'était juste que j'étais partie aller voir un truc important pour rechercher des trous de malade. Pour aider Maître Tigrou, tu veux dire? Oui. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, il faut absolument qu'on guérisse Maître Tigrou. Oh, ça ne ferait pas... Bourriquet, est-ce que Maître Tigrou a bougé un peu? Oui, un tout petit peu, mais j'ai peur qu'il va mourir dans quelques jours. Oh, j'espère que les filles vont... les Wix vont bien réussir, sinon j'aurais été même pas. Ça, j'aurais dû faire confiance. You, Samana. Oh, génial! Oh, mais où est passée la fleur de Pyrrhos? Où est-ce que vous avez mis? Surprise! Comment ça, surprise? Qu'est-ce que c'est? Misa, tu peux être apparaître si tu peux. Et voilà! Voici la fleur! Oh putain! Musa, tu as gagné le pouvoir de Flyrix! Eh oui, je sais! C'est normal parce que comme Bloom et maman pas pu réussir à me sauver la vie, pas à cause de stupide voilà quoi. Oui, mon pouvoir de guérison, ça marchait pas. Je suis un peu désespère. Et maintenant, c'est moi que j'avais réussi à mettre, de sauver la vie à Musa grâce à la fleur de Pyrrhos. Eh ben, je vous félicite. Musa, tu crois que tu vas y arriver avec ton nouveau super pouvoir? Comme ça, tu pourrais? Évidemment que je vais y arriver. Bon, de toute façon, il faut que je me concentre. Allez, il faut que je concentre. Fleur de Pyrrhos, il faut que tu fasses guérir Maître Tigrou. Que la magie, elle commence bien aussi pour guérir le maître Tigrou. S'était passé? Oh, je me suis en plein forme. Ah, youpi! Maître Tigrou, vous êtes guéri! Waouh, génial! On a réussi! Enfin, c'est plutôt Musa qui l'a réussi. Elle a utilisé son pouvoir.
Misa, félicitations. Je suis fière de toi. Waouh, je sais trop. Ouais. Waouh, félicitations. Misa. Oh, oui, mais de rien, mes amis. Bon, c'est vrai que j'ai un petit peu hors de contrôle avec mes pouvoirs, mais je suis bien content que tout est bien, qu'il finit bien. Bon, Musa, comme tu as eu ton nouveau super pouvoir de Flyrix, waouh, je suis impressionnée pour toi. Mais merci beaucoup d'avoir me guérir. Ça c'est sûr, je t'étais à dire merci. Dis donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait pour le des médicaments, en fait, je veux dire, le potion. C'est pas des médicaments, Bourriquet. Ce n'est qu'un petit potion magique que j'ai créé. Bon, maintenant que malheureusement que Maître Tigrou est bien guéri, je crois que c'est bien réussi. Voilà pourquoi. J'y pensais la même chose aussi, docteur Ouglas. J'espère que vous n'avez pas un peu... Voilà pourquoi, en fait, que Maître Tigrou, il était vraiment malade. Maintenant, je suis vraiment, très fière que voilà. Waouh, je suis trop... Tiens, c'est qui? Oh, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà à peine. Désolée, j'étais partie. Youpi, Maître Tigrou, tu es guéri. Appelez-moi Tigrou si tu veux, pompon. Désolée. Waouh, j'y crois pas. Musa, félicitations. Merci, c'est très gentil, pompon. Waouh, grâce à ton nouveau super pouvoir de Flyrix, waouh. Par contre, Stella et Bloom, c'est pas grave. Il faut que vous attendiez un petit peu, maman. Un petit peu, maman. Qu'est-ce que ça veut dire, pompon? De toute façon, nous, on va attendre un petit peu. Pour maman, il n'y a que Musa qui les a. C'est normal qu'elle ait ses pouvoirs. Waouh, je suis éflattée. Maman, j'espère qu'en plus, c'est vraiment super, super, super. C'est vraiment même le pire. Stella, tu dis n'importe quoi. Ça, c'est clair. Toujours le pire. Stella, tu peux pas fermer ta gueule. Surtout aussi que tu n'arrêtais pas à compter des conneries. Oui, des conneries et beaucoup de choses à faire. Eh ben, en tout cas, je suis un petit peu... flattée pour cette fois. Et moi aussi, je suis flattée parce que Musa a reçu un nouveau super pouvoir de Flyrix. C'est vraiment immortel. Oui, tu pouvais dire. En tout cas, j'espère que les potions, on pourra les garder en attendant qu'on rattaque un rendez-vous. Oh, vous avez vu? Vu de quoi? Mais elle est plus là. La fleur de Pyrrhos a disparu. Ah, il a disparu déjà? Ça a été rapide, moi je le dis pas. Waouh, éflatté. Les filles, bravo à vous tous et merci beaucoup. Qui êtes-vous, vous? Ah, vous n'êtes pas présenté. Je m'appelle Docteur Ouglas. Enchanté, je suis Maître Tigrou et bienvenue au Palais Royal. Et si tu veux, tu peux t'installer ici, comme ça, au cas où c'est les gens, ils pourrait avoir des deux malades et tout ça. Excellente idée. Je suis ravie de rester avec vous, Maître Tigrou. Appelez-moi Tigrou, c'est beaucoup mieux. Oui, désolé. Bon, c'est vraiment tout pour le moment. J'espère qu'on se verra très vite. Peut-être qu'on verra ça plus tard pour une nouvelle mission. Ça sera peut-être que Bloom et Stella. J'espère que vous y arrivez avec votre pouvoir de Flyrix. Mais là, pour le moment, vous avez toujours votre pouvoir de Onyrix. Oui, vous avez tout compris. Bon, ici on rentrait. Excellente idée, Stella. Je suis d'accord avec toi.
Bon, bah, je vais peut-être me ranger mon potion parce que il y a personne qui peut le garder. Bah, on peut le garder, mais on sera plus tard. Excellente idée. Je vais le ranger tout au fond. Et moi, il faut que je m'en aille. Et puis, les filles, on se retrouve peut-être demain. Ok. Bon. Oreilles de lapin. Bzz, bzz. Je rentre chez moi. À très vite, les mes amis. Téléportation. Bon, on va rentrer parce que là, je commençais à avoir... Oui, très fatiguée. Les filles, j'espère que ça va peut-être aller pour demain. On verra ça peut-être avoir une nouvelle mission. On verra ça peut-être demain, Pampan. Maître Tigrou, désolée, je me suis trompée. Bon, il est en courant. Alors, en route, téléportation, rentrez chez nous. Bon, j'espère qu'on aura peut-être... Voilà quoi. Ça y est, fini. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben, de toute façon, je sais pas ce qu'on va faire, hein. Mais bon, en tout cas. Moi, j'espère qu'il arrive pas trop grave, même le pire. Oh, punaise, je suis trop fatiguée. Moi aussi. À part ce qui s'est passé pour sauver Maître Tigrou, oh là là, je me sens pas très bien. Et moi, ce que j'ai pas envie pas très bien, c'est aller encore une fois à l'hôpital, surtout pour mon opération. Oh, Alice, on est vraiment désolé pour toi. Ce n'est pas ta faute, Bloom. Tu sais, c'est pas facile pour moi. Et en plus, ta chanson est un petit peu bizarre. Oui, il y a un petit peu ralentissement. Franchement... Je ne sais plus quoi faire. Eh ben, c'est pas facile qu'on coupe. Oui, on peut ce qu'il dire. Bon, de toute façon, moi, je dois rentrer. De toute façon, oh, je suis vraiment épuisée. Et en plus, c'est grâce à Musa qu'elle a utilisé son pouvoir de Flyrix. Oui, merci beaucoup, Musa, mais... Enfin, Musa, Tia, tu m'as vraiment impressionnée, mais je te remercie beaucoup. Bon, il est temps qu'on rentre. Ouais, c'est sûr. Tu viens, Barbie, on va rentrer. Et tu viens aussi, Courtney? Ouais, j'arrive. Les filles, je vous attends. Et vous, les filles, je vous dis à demain. Bonne soirée, Tia. De toute façon, moi aussi, je vais rentrer. Attends, ma chérie, je t'accompagne. Ok, mais ils ont rien un petit peu comprendre. Bon, tchuss, mes amis. À plus. Ouais, bonne soirée. Oh, franchement, je sais pas quoi dire, mais bon, franchement, je suis pas très bien à l'oreille. T'inquiète pas, Adli. De toute façon, on pensera fort à toi demain. Oui, tu peux compter sur nous. Ouais, c'est sûr. Je vous laisse. Bonne soirée, à demain. Bonne soirée, Adli. Moi aussi, j'ai rentré. Je m'inquiète pour Adli. Elle est vraiment pas très bien. Ça c'est sûr, Gabriella. Mais bon. Oh, j'arrive pas à croire que je suis super contente. Tu pouvais dire. Bonne soirée. À très vite. À très vite. Oh, misère. Finalement, je suis super contente. Mais en revanche, Bloom et Stella, j'espère que vous pourrez attendre. Oui, ne t'inquiète pas. Ouais, mais nous, on va peut-être y aller. Bonne soirée les filles, à demain. Toi aussi Annika. Ouais, parce que... Oh, faut que j'aille voir Todd. Oh, punaise. Il faut que tu ailles voir Todd. Ouais, j'ai vraiment pas très choix. De toute façon, voilà quoi. Ouah, punaise. Hé, hey, qu'est-ce que t'as fait? Je me suis cassé la gueule. Ça va aller. Eh ben, on aurait dû. Bon, je crois que je vais peut-être mouiller comme... Voilà. Enlève ma soeur. Ah, beaucoup mieux comme ça. Waouh, il est magnifique, mais de toute façon, j'aurais bien envie de changer de look.
Stella. Quoi? Non, Stella. Ce n'est pas la peine. De toute façon, je préfère y aller comme ça. Bon, je vous dis à plus. Oui, à plus tard. Enfin, je veux dire à demain. Bon. Oh là, je suis super heureux. Moi aussi. Et je suis super content. Qu'est-ce qu'on attend? Et si on fait la fête? Oh non, Stella, je suis fatiguée. Oh. Mais peut-être demain, on verra bien. Enlève ma soeur. Eh ben, waouh, ça va mieux. Bon les filles, je vous dis tous à demain. Ouais, toi aussi Misa. Oh misère, je suis vraiment bizarre au fait qu'on a plus notre pouvoir de haut. Tu veux parler de Flyrix, pas Onirix. Onirix, on a toujours notre pouvoir. Oui, c'est vrai, t'as raison. Allez, il est temps qu'on rentre. Ouais, je te ferai lire. C'est bizarre que je n'ai pas encore ce pouvoir, mais c'est magnifique. Ah, c'est seulement si je pourrais l'avoir. Mais c'est pas aussi facile. Bref, il est temps qu'on rentre.